le fait que le stand des communistes organise ces cinq grands débats, ce n'est pas pour le plaisir d'échanger. Je crois que c'est pour faire monter la nécessité d'une réflexion collective. Et sur les questions de l'emploi, sur les questions de comment on fait pour qu'il puisse y avoir développement de l'emploi dans notre pays, ça exige qu'on ne va pas le sortir de notre serviette. Il faut qu'on soit en lien avec les organisations syndicales, qu'on soit en lien avec les nouvelles formes d'expression qui s'expriment aujourd'hui, telles que par exemple Nuit debout, qu'on apporte notre réflexion de communiste, mais que cette réflexion de communiste, elle soit mise en débat, qu'elle soit l'objet d'une approche citoyenne, d'une co-construction, et c'est que dans ce cadre-là, dans cette mesure-là, que le parlementaire que je suis, on pourra porter des propositions que l'on pourra concrétiser ensuite, mais qui s'appuieront sur cette réflexion collective et qui n'auront pas été faites au coin d'une table avec quelques collaborateurs parlementaires, même s'ils sont extrêmement doués.